Jeffist, bonsoir, c'est avec grand plaisir que je vous revois sur le plateau de Racing Mauritius pour cette nouvelle saison qui débutera ce samedi. Comme vous l'avez certainement constaté sur les réseaux sociaux, l'équipe de Racing Mauritius s'est agrandie avec la venue de deux personnes très compétentes en la personne de Julia Magdelaine et Karen Triton. Cette nouvelle équipe apportera certainement un plus pour tout Jeffist qui nous suivra tout le long de la saison 2024. Aujourd'hui, moi je vous présente la rubrique Rating Review qui sera diffusée tous les mercredis et cette rubrique fera un survol au niveau des speed ratings des chevaux qui se trouvent sur les entrées pour la semaine à venir. Alors, à noter que cette rubrique, ce Rating Review, il peut donner une indication déjà au niveau des entrées des coursiers à surveiller pour samedi. Alors, tout de suite, nous passons à la première course sur les entrées, course sur 1365 mètres benchmark 56, nous trouvons au niveau du best speed rating sur la distance attribué à Juniper Lane avec un rating de 93 devant Arizona Silk, un rating de 91. Au niveau du forecasted speed rating, toujours Juniper Lane. Forecasted speed rating, c'est le speed rating qui nous peut expecter pour produire en course. Alors Juniper Lane possède 90 comme forecasted speed rating. Au niveau du rating, nous trouvons que Juniper Lane reste un coursier à surveiller dans cette épreuve. Dans la deuxième course, sur les entrées 990 mètres benchmark 46, colonne 990 au niveau du best speed rating, deux chevaux se tiennent de très très près, sont Execo, Desert Boy et Footy Goal avec un speed rating de 120. Au niveau du forecasted speed rating, avantage attribué à Desert Boy, 117 devant Footy Goal, 116. Match entre Desert Boy et Footy Goal, il semblerait dans cette deuxième course. Troisième course sur les entrées, distance 1400 mètres, benchmark 41. Sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, nous trouvons qu'il y a trois coursiers qui se tiennent de près, Creation, Swagger Jagger et Pop Icon. Au niveau du forecasted speed rating, idem, Creation, Swagger Jagger et Pop Icon. Ces trois coursiers, nous faisons mettre ça dans un petit notebook dans cette épreuve spécifique. La quatrième, 1400 mètres benchmark 36. Sur la distance de 1400 mètres, nous trouvons que The 8th Floor, au niveau du best speed rating, possède un speed rating de 92. Devant Color of Money, un speed rating de 90. Au niveau du forecasted speed rating, Secret Circle et The 8th Floor sont ex aequo avec 84 points. Et ensuite, Color of Money, 80 points au niveau du forecasted speed rating. Attention, surprise dans cette course, on dit le plus grand bien de Color of Money, surtout par rapport à ses exercices matinaux, très tôt le matin au training. Le cheval se porte dans une sublime forme en ce moment. Mais attention à Secret Circle et The 8th Floor qui se situent très bien au niveau du rating dans cette épreuve. La cinquième, 990 mètres, benchmark 31. Colonne 990, nous trouve Voltacus devant El Patron. Et sur la distance des 1365 mètres et 1400 mètres, Bella Fiorino possède le meilleur, the best speed rating dans ce champ. Avantage tout de même à Voltacus, qui semblerait serait un spécialiste de la distance des 990 mètres. Match Voltacus et Bella Fiorino dans cette cinquième course. Au niveau de la sixième course dans les entrées, 1365 mètres, catégorie 0,25. Au niveau du best speed rating, Cap Kuta possède a déjà réalisé le meilleur speed rating sur cette distance avec un speed rating de 91. Sur la distance des 990 mètres, 114 points pour Jack Tor. Meilleur speed rating pour Jack Tor sur 990 mètres. Lui aussi possède un speed rating de 91 sur 1365 mètres. Alors, Cap Kuta et Jack Tor se démarquent au niveau du best speed rating. Au niveau du forecasted speed rating, Jack Tor, il se démarque de tous ses adversaires dans cette course avec un forecasted speed rating de 87. Son plus proche rival serait French Rebel avec un forecasted point. Alors, Jack Tor, dans cette course de 0,25, 1365 mètres,
devrait être très très compétitif. La septième, 1400 mètres, catégorie 0-20. Alors nous retrouvons Jactor encore une fois, cette fois-ci en catégorie 0-20 sur les entrées. Best speed rating, de loin devant tous ses adversaires et même au niveau du forecasted speed rating. Alors nous trouvons au niveau du speed rating que Jactor qui est entré dans les deux courses, dans la sixième et septième course, il serait à son avantage de s'aligner dans cette course de 0-20 sur 1400 mètres. Il paraît comme si pratiquement un banker, sauf qu'il y a ces deux nouveaux Kruna et Tartarus dans cette course, dont qui pourraient être les seuls à surprendre Jactor. Jactor, dans cette course de 0-20, devrait être très très dur à battre. Dans la huitième, 990 mètres, catégorie 0-15. Alors sur 990 mètres, nous retrouvons Fort McHenry, best speed rating avec un speed rating de 112, devant Weimy à 111, et ensuite After the Order 109. Au niveau du forecasted speed rating, toujours Fort McHenry 110, mais très très peu devant Weimia et After the Order, attribué un rating de 108 respectivement, match à 3 entre Weimia, After the Order et Fort McHenry dans cette épreuve à prévoir. Au niveau du speed map, par contre, juste pour attirer l'attention, j'ai trouvé que Weimia devrait être le seul front-runner dans cette épreuve et il ne connaît que sur 990 mètres, se retrouver en tête sur cette distance et déjà pratiquement 80% du travail fait. Alors, Weimia, Fort McHenry, After the Order sont à surveiller dans cette course de 0,15-990 mètres. Alors, la rubrique touche à sa fin. Retrouvez Julien demain dans l'émission Spuds, émission dans laquelle vous aurez les dernières infos par rapport aux entraînements du jeudi. Moi, pour ma part, je vous retrouve vendredi dans l'émission Keep Pushing à côté de Julien et Karen. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Restez connectés avec Racing Mauritius.